Je vais te raconter la petite la panne que j'ai eue lors de la balade. Je roule et j'avais des coupures, tu vois, des coupures moteurs. Donc comme si la bougie était fichue, tu vois. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à cause du phénomène que j'ai eu là, le moteur se noyait. Donc résultat, tu tiques, il se passe rien. Plus d'étincelles à la bougie. Donc premier réflexe, c'est démonter l'antiparasite. Et puis kicker, waouh, une étincelle de 2 cm, magnifique. Je remets l'antiparasite et la bougie, bien sûr, et pas d'étincelle. Oh. Donc j'ai remis en cause l'antiparasite. On a dénudé, si je dis on, parce qu'on était plusieurs à chercher ensemble. Donc fil autour de la bougie, et puis hop, elle a recraqué, quoi. Mais il n'y avait pas une étincelle formidable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le fil, dans la gaine, le fil était coupé et il était en contact. Donc, ce qui se passe, c'est que à vide, tu kicks à vide, sans la bougie, il y a une belle étincelle. Mais dès que tu mets une charge derrière, donc la bougie, c'est une charge, 5 kΩ, c'est une charge. Et ben, l'intensité qui passait dans le câble n'était pas suffisante. Donc résultat, j'avais pas d'étincelle à la bougie. Ok, c'est pour ça que ça a marché sans antiparasite. Parce que l'antiparasite, lui, il fait 5 kΩ aussi. Donc ça faisait une trop forte résistance. Donc hier, j'ai changé ce câble. Et puis finalement, là, l'étincelle est magnifique. Hein. Elle est bleue, elle est comme elle doit être. Donc là, du coup, aujourd'hui, ça marche bien. Et j'ai eu une deuxième panne, en fait. Mais ça, la seconde panne, c'était dans le package. Hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Juju a voulu démonter le carbu. Et là, je vais te montrer, en fait, vu qu'il est ouvert. Regarde, ici, si tu veux, c'est une durite. Une durite de refroidissement. Elle est hyper lisse. Et ça fait que moi, je l'avais montée, elle tenait super bien. Et le fait de l'avoir démontée, bah, du coup, elle fait pouc. Tu vois, quand tu serres, pouc, elle s'enlève. Donc je m'en suis pas rendu compte que c'était dégagé. Seulement quand je roulais, ça faisait des trous. Alors, j'ai pas forcé sur la bestiole. Et en fait, quand j'ai ouvert le carter, qu'est-ce que je vois? Bah, le carbu était déboîté. Et ce qui l'a empêché de sortir, c'est que non seulement le kick, mais aussi le carter. Et ça fait que je pouvais rouler grâce à ça. Voilà. Donc j'ai eu chaud, quoi. J'ai eu chaud au miche. Bon, ça, par contre, quand je suis allé à la balade, j'étais sûr que ça ne bougerait pas. Si on n'avait pas touché au carbu, ça ne bougeait pas. Donc voilà, quoi. Sinon, elle est nickel. Hein. Bon, ce qui compte, voilà. Pour le moment, ce qui compte, c'est que tout ça se soit bien fiable. Après, le fil qui était baisé, bah, c'est un fil d'époque, hein, il a 30 ans, donc ou peut-être pas, 25 ans. Voilà, c'était le risque que ça arrive. Après, tous les composants qui restent, pour le moment, il y en a qui sont d'époque. Hein, ça, c'est d'époque, ça peut tomber en panne mécanique. Le pot peut casser, c'est d'époque. Enfin, voilà, c'est des petites choses qui peuvent arriver. Mais au fil des kilomètres, je vais la fiabiliser, quoi. Là, c'était une première sortie. Bon, bah, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu finir la sortie complète. Hein. J'ai été un petit peu à l'arrêt sur le bord de la route, mais on est reparti avec. Voilà, c'est bon. Ça fait partie de l'aventure. Hein. Et ben voilà, on y revient. Donc, après tout ce temps passé à travailler sur les autres mobs, ben, je vais prendre le temps cette fois de fermer ce moteur. Hein. Et puis voir ce que ça donne avec cette magnifique culasse. Hein. La culasse hérisson, je vais prendre le volume de chambre pour voir ce que ça donne. Et puis après, je la fais craquer. C'est sûr qu'avec ça, ça va booster. Hein. Bon, allez. Hop, le chouin. On met le chouin, le petit chouin. Voilà, comme ça. Tac. Voilà, bon,
Alors ça, remettre l'axe, tu mets l'axe. Hop, on va y mettre un petit coup de la fouflette. Yo, j'ai donc graissé le roulement. La cache à aiguille. La petite flèche vers l'échappement. Mais ça, tu le savais déjà. On va pas te le redire à chaque fois. Hein. Frère Jacques, dormez-vous, sonne chez Martine, ding-dang-dong, ding-dang-dong. Alors, tu vas arrêter de me casser les couilles. Casse pas les couilles. Ça y est. Il était temps. Bon, on va graisser le cylindre. Pas bien. Je mets le doigt dans l'huile. Oui. Oh, j'ai failli. J'ai failli. Alors, je vais commencer par lui mettre un morceau d'étain. Ah, mais je crois que je l'avais déjà fait. Je crois que j'avais déjà fait ça. Il y avait 1,2 de mémoire. Alors, on va vérifier si c'est ça. Ou pas. Donc là, je viens d'écraser le morceau d'étain. On enlève la culasse. Mon équipe et moi allons retirer la culasse. Voilà. Nous allons enlever les deux écrous. Nous allons enlever la culasse. Nous allons contrôler le squish. Le squish. Ouais, c'est ça, tu vois, je t'avais dit un 2 tout à l'heure. Ouais, c'est ça, 1,15, tu vois. Donc, je vais prendre note. Je vais prendre note. Alors, nous sommes sur au moteur. C'est un au moteur Herzl. Herzl 65 cc. Avec la belle culasse. Culasse. Du Seigneur. Le Kélas du Seigneur, hein, David. Voilà, Solex Gump. Donc, 1,15 de squish. Ce squish, ok. Maintenant, volume de chambre. Il est où? Il est où, ma clé? Elle est où, ma clé? Elle est là, ma clé. Donc, c'est un culot court. Hein. Et puis là, ben, je retravaille, tu vois, mon TCR. Ça y est, je l'ai réassemblé. J'ai remis un segment neuf. Alors j'ai remis la cale, mais j'ai hésité, hein, parce que le squish était de 0,55. J'ai préféré remettre la cale, donc ça fait du 0,85, et puis un taux de 14,2. Ouais, c'était monté comme ça marchait plutôt bien. C'est un peu sécu, tu vois, et voilà, quoi, j'ai choisi ça. Mais avec le recul, je me dis s'il aurait fallu que je mette un plus petit joint, et puis avoir un genre un squish de 0,65, ça aurait été le top, quoi. Voici une partie mécanique que je kiffe. Donc, j'ai repris tout le moteur TCR. Donc, j'ai changé segment parce qu'il était complètement à la rue, 0,55. Ça m'a permis de reprendre toutes les valeurs. Je coupe, enfin, je piston, cylindre, piston, 1/10. Donc, la prochaine fois, ben, je change le piston. Je vais pouvoir y mettre au moins une cote au-dessus. J'en ai profité pour refaire le chapeau parce que je trouvais ça très moche. Je trouvais ça très moche l'autre côté là qui était un petit peu abîmé. Bah, c'est un peu ce qui se passe quand tu achètes de l'occasion, hein. Allez, c'est pour moi un grand jour. Je revois enfin
703 assemblée avec le moteur assemblé. Suite aux corrections de problèmes qu'il y avait sur la bécane. Donc il a fallu chercher pourquoi j'avais ces problèmes là. Donc l'une des principales c'est que les rouleaux, les cages à aiguilles qui sont dans le cadre là où passe la poulie, l'axe de la poulie, en fait fumaient quoi. Ils fusionnaient. Au feu. Si je puis dire. Et donc c'est pas à cause de la rotation, hein. C'est juste en fait il y a une grosse contrainte au niveau des ressorts moteurs qui sont liés en fait au variateur qui s'ouvre trop vite. Donc pour contrer ça, il fallait mettre des ressorts beaucoup plus durs. Donc les ressorts que j'avais trouvés, c'était des 4,5 kg. Il suffisait pas. Donc je suis passé en 7,5 kg. Mais là, cette fois, alors au niveau du comportement moteur, c'était le top. Mais au niveau de la contrainte mécanique, c'était trop fort. Et je me suis rendu compte tout simplement, puisque ça a commencé à fumer ici lorsque j'ai mis ça en place. Donc par déduction, hein, j'ai trouvé que c'était ça. Donc là, j'ai un peu modifié la pression des ressorts. Et on verra ce que ça donne. J'en ai profité pour remettre l'allumage d'origine de Nitro. Ce qui marche déjà super bien. Pourquoi? Parce que l'allumage MVT va aller sur la MBK. Je vais privilégier le moteur de la MBK en fait. Donc entre temps, j'ai mis la poulie, le plateau que Jimmy m'a offert en 210, ce qui va me permettre de gagner aussi en accélération. Et du coup, je me suis commandé une courroie. Il a fallu que je fasse des calculs pour savoir quelle était la bonne courroie. Donc voilà, j'ai commandé cette courroie. Il me restera plus que ça à mettre en place, puis tester. Tester avant de rouler éventuellement avec quelqu'un. De toute façon, on n'est jamais à l'abri d'une panne avec des machines pareilles. Bon, moi, ça va. Je n'ai pas eu de problème, on va dire, mécanique moteur. J'ai eu que des problèmes donc mécaniques ici. Hein, mais ça, tant que je n'aurai pas trouvé la solution, forcément, il risque d'y avoir des problèmes. C'est en développement, hein, comme tout. C'est comme toutes les personnes qui font du développement, ils rencontrent des soucis, il faut les corriger. Donc ça va là au rythme du portefeuille, ça va au rythme du temps dispo, etc. Et puis voilà, donc là je vais remettre en état mon faisceau électrique, forcément, puisque j'ai coupé les fils, parce que tout simplement j'ai remis tout ça au propre, toute la gaine était pourrie, j'ai remis tout ça au propre, et j'ai siliconé l'intérieur. Donc pour siliconer l'intérieur, il a fallu que je coupe, que je démonte tout, que je silicone derrière les bobines, et que je remette en place, c'est pour ça que c'est coupé. Et en gros, j'ai récupéré le faisceau tel qu'il était avant, tu vois, l'état, hein. Voilà, et puis voilà, regarde, tout est comme ça. Et moi, je vais refaire quelque chose de propre. Donc, j'ai prévu le fer à souder, j'ai prévu des cosses, des fils, etc. Et je vais essayer de faire quelque chose de vraiment propre. Comme si c'était d'origine, peut-être voire mieux, on verra. Et puis, sinon, je voudrais souligner une chose. Je voudrais remercier Denis, qui m'a généreusement offert un carburateur de 28. Parce que le mien, en fait, ne fonctionnait pas. Donc, comme je l'avais payé, je crois, 110 balles ou quelque chose comme ça, ça me faisait chier de recommander un carbu et tout. Et puis, du coup, Denis m'a dit, écoute, moi, j'en ai un. Il me l'a donné généreusement. Et merci à toi, Denis. Donc, tu vois, dans ma bande de potes, il y a quand même des gens, je parle pas forcément des cadeaux, hein, de la générosité. Des gens qui sont solidaires, voilà, qui sont solidaires. Et puis, ça, c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Hein. Ça me fait avancer, en plus, parce que tout ça, c'est pas gratos. Donc, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai dû me séparer de ma 103 MVL pour, c'est un choix personnel, hein, pour pas taper dans la tirelire de la famille,
Donc je me suis séparé de ma 103 et puis ça me permet moi de continuer mon aventure mobylette. Et surtout de profiter, de me faire plaisir. Parce que ça reste avant tout un plaisir. Y a différentes façons de voir les choses. Soit tu te fais plaisir, hein, comme moi je fais, pour aller rouler de temps en temps sur des routes, des petites routes de campagne, tu vois, pas aller faire chier les gens en ville, hein, mais sur les petites routes de campagne, rouler avec des potes, c'est vraiment génial. Ou alors aller faire de la piste, et puis là on rentre dans du sérieux, tu vois. Et puis là c'est des budgets encore plus conséquents. On peut faire de la piste avec ça, mais non, pour être plus sérieux, faut mettre les freins qui vont bien, faut mettre la fourche qui va bien, faut mettre les pneus qui vont bien, etc., etc. Donc là, non, moi, mon plaisir personnel, c'est de faire de la mécanique sur les mobs et de rouler avec. Voilà, c'est pas de faire de la compétition. J'aime la compétition, j'aime la piste, j'adore les trajectoires et tout ça. Mais là, on n'en est pas là. On n'en est pas là. J'ai pas le temps de m'occuper de tout ça, de faire tout ça. Ça me prend déjà beaucoup de temps. Et puis voilà quoi, c'est beau. Allez, bon bah j'attaque, hein. J'attaque parce que ça va pas se faire tout seul. Donc si je prends ça, donc le orange, c'est celui qui va à la bobine. Le noir aussi. Attends, on va faire comme ça, je vais séparer les choses. Voilà. Donc là j'ai mon CDI que je vais mettre en place. Je vais commencer par là, à resserrer tout ça, tu vois. Voilà, je vais commencer par resserrer ma bobine et puis mettre le CDI en place. Alors le CDI, il y a deux options. Soit je fais un truc dans le genre. Voilà, ça serait pas mal hein, finalement. Je fais un truc comme ça, c'est discret. Ouais, pourquoi pas. Bon, je t'explique. J'ai monté l'allumage d'origine de scoot. Donc, depuis que j'ai monté cet allumage, bon, elle démarre bien, tout nickel, ça accélère bien. Elle prend 13 300 tours max. Donc, ça rupte comme s'il y avait, tu vois, c'était trop riche en fait au niveau du carburateur. Donc, du coup, je vais lâcher l'affaire. Faut que je remette l'allumage MVT. Il n'y a pas. Parce qu'avant, elle prenait 15 000, plus de 15 000 tours. Donc, je pense que c'est lui qui va pas, quoi. C'est pas grave, pour le moment je vais m'attaquer à lui, je vais le démonter parce qu'il faut que je l'envoie chez mon ami qui s'est proposé gentiment de me le découper. Donc je suis sûr que j'aurai quelque chose de super quoi. Putain, t'as intérêt d'en avoir de l'outillage, hein, je te le dis. Ah bordel! Donc là j'ai enlevé toutes les vis. Voilà. Ça donnerait quoi? Ça donne que je pourrais déjà enlever ce carter-là. Bon, bah, c'est venu sans trop de résistance, c'est cool. J'ai plus qu'à découper là pour enlever la partie arrière et puis enlever le vilebrequin. Et voilà. Enlève le vilo! Je vois que vous êtes pas mal intéressé par le projet, c'est cool. Alors, je sais pas si je l'ai dit précédemment, on verra. Au montage, je couperai s'il faut. Pourquoi j'ai fait le choix du Too Fast? Bah, en fait. Il n'a pas de jeu, nickel. Il n'a pas de jeu, c'est bien. Bon, bah, c'est bien pour ce soir. Hein. Voilà, prédécoupé le bordel. Et on aura sans plus d'or. Hein.